dernier, c'était l'ouverture officielle du marché public de Baie-Saint-Paul pour la saison estivale. Aujourd'hui, pour le second week-end, on s'intéresse à savoir ce qui attire les gens ici. Donc, suivez-nous, on part à la rencontre du public. Roxane et Valérie, qu'est-ce qui vous amène ici au marché public de Baie-Saint-Paul? Bien, en fait, on a loué un chalet, nous, dans le coin, avec plusieurs amis pour le long week-end. Puis aujourd'hui, on voulait quand même pas juste faire des activités de plein air, mais aussi découvrir des produits locaux puis des choses qui se font dans la région. Fait qu'on a décidé de venir ici. Puis c'est magnifique, là, les champs pleins de fleurs, puis l'ambiance aussi, c'est super le fun. Karine et David, qu'est-ce qui vous amène ici au marché de Baie-Saint-Paul? Bien, en fait, nous, on adore les marchés, puis on a l'habitude de venir voir tous les marchés pour découvrir les produits locaux surtout. Et lorsqu'on a entendu ce matin qu'il y avait un marché ici, bien, ça a été très naturel pour nous de venir. Ça, pour moi, marché, c'est vacances. Hein. Fait qu'on est en vacances, on se promène, on déguste des délicieuses fraises de l'île d'Orléans, biologiques en plus, mais vraiment délicieuses. Ouais. Puis c'est vraiment agréable comme ambiance ici. Il y a de belles choses à aller voir aussi en arrière, là, une belle promenade. Pour de belles vacances. Pour tous les âges et pour toute la famille aussi. Ouais, c'est bien. Et jusqu'à maintenant, avez-vous un coup de cœur ici au marché? Moi, c'est les fraises, là. Je regarde. C'est les fraises, moi. Moi, c'est l'ambiance générale parce que je joue de la musique, puis en plus, il y a un musicien de rue, fait que je trouve ça génial. Oui. Michel, qu'est-ce qui vous attire ici au marché public de Baie-Saint-Paul? Bien, de bouche à oreille, on a entendu parler de Baie-Saint-Paul, l'Hôtel Germain. Que c'était quelque chose à voir avec le concept aussi de la ferme et du marché public, qu'il y avait un petit marché public. Fait que ça nous a intéressés. On est à Cap-Alègue, on est campé à la Cap-Alègue pour la fin de semaine. Fait que c'est ça qui nous a attirés. Et jusqu'à maintenant, avez-vous un coup de cœur ici parmi les exposants? Oui, le kiosque, la cabane à moineaux. Concept intéressant de prendre des matériaux naturels pour faire des cabanes à oiseaux. Fait que ça fait pittoresque sur le bout de la galerie. Isabelle Gérard, qu'est-ce qui vous amène ici au marché public de Baie-Saint-Paul? On se promenait dans les environs, puis on a vu ça par hasard. C'est vraiment super. Nous, on aime beaucoup les marchands extérieurs, donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté. Et jusqu'à maintenant, avez-vous un coup de cœur ici au marché? Oui, les produits biologiques. On a découvert les belles fraises ici de l'île d'Orléans. Donc ça, c'est mon coup de cœur. J'aime beaucoup le bio, la culture biologique. Faites comme eux et venez à la rencontre des producteurs et des artisans d'ici. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts au marché public de Baie-Saint-Paul. L'équipe de TVCO vous attend tous les dimanches jusqu'au 7 octobre prochain. Et d'ici là, passez faire votre tour!